Rebonjour tout le monde, toujours Jake. Sur Bowser Fury, le jeu est terminé en fait. Il y a des choses en plus à faire. Donc les derniers astres, quoi. Tout simplement, les derniers astres. Donc on y retourne. Après un petit café, ça fait du bien. Et il va continuer à nous embêter. Renostralis. On a accès du coup à la zone. Oh mon dieu. Sur le nez de Bowser. Sur la zone de départ. Papounet et moi, on est allé. Oh, faut que je fasse sa voix. Faut que je fasse sa voix. Bon. Papounet et moi. On allait passer une chouette journée ensemble au bord de ce lac, mais il est devenu gigantesque et fou furieux. J'ai placé des marqueurs sur la carte, là il pourrait rester des astres félins cachés. On doit les retrouver, ramener mon papounet à son état normal. Oh bordel! Il y a plein de points d'exclamation. Ok. Il y a des points d'exclamation grisés par contre. On va dire... Attendez. La logique voudrait que les points d'exclamation grisés ne soient disponibles que quand on est dans l'état de pluie et de nuit. On va dire ça comme ça. Écoute Mario, tu me rends un sacré service. Alors je vais faire ce que je peux pour te faciliter la tâche. Si tu veux te rendre sur une autre île, pointe là juste sur la carte et appuie sur A. Je nous y conduirai directement avec la fonction se téléporter. Ah ouais, maintenant il y a du téléport. Ah ouais, d'accord. Ben, tu me diras, quand tu fais passer un Mario d'un monde à un autre, techniquement c'est du téléport. Alors nous sommes au tout début du jeu. Ah, ben, y a un... attendez. Le début nous avait fait passer par là. Mais la porte elle est là. Traçage de graffiti par Bowser Jr. Salut Denver. Mais non, mais c'est la porte. Je veux voir le... Voilà. Il pas de velours, pas de velours. C'est ce que je cherche. Alors, juste pour faire une remarque. C'est pas un lac, ça. Ou alors, enfin, je sais pas, il y a un problème quelque part, mais... Quoi que tu me diras, la montagne derrière, c'est le lac de Genève, c'est le lac en Suisse. Moi je le sais, le sujet elle a dit tout à l'heure. Il y a un truc ici. Oh oui, il y a un truc ici. Bah tiens, il y a un truc ici, tu m'étonnes. Un fragment. Ah mais c'est aussi un chat. Bon d'accord. Observons l'horizon. Le soleil qui est un chat, du coup. Les nuages, les sapins, la montagne et la pollution. Partout la pollution. Ah si, ça fait un lac en fait, ah, il a raison. Bon, pixel sur 20 avec la montagne derrière, mais ça reste un lac. Avec beaucoup de pollution. C'est vraiment, je veux savoir cette source de pollution. Nintendo, écrivez-moi. Ok, ça c'est juste le port. Le sujet, c'est en anglais, bien sûr, sinon c'est exactement le nom du sujet. Vous remarquerez, c'est le jeu, que les pattes, les fleurs sont des pattes de chat. Oh mon dieu, il y a Toadette. Elle veut qu'on récupère les 3 Toad et Captain Toad. Ou ils sont à l'intérieur? D'accord. Il y a des Captain Toad et Toad. Ah oui,
ça nous avait... Oh, bah oui, il va falloir activer... Eh oui. C'était pour voir si tu suivais. Il m'a dit rôle, excuse. Il y a un truc là-haut, là. Forcément. Tu vois, qu'il y a un truc là-haut. Non, 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 non. Glissez, chef. Voilà. Par contre, on peut pas aller dans le bateau. Dans le bateau, enfin, je veux dire, je suis dessus, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la cale. La chambre du capitaine. Ah, il y a un truc en dessous. La chambre du capitaine, tout ça, quoi. Un tag sur un tapis. Sérieux? Wow! D'accord, Bowser Jr. dessine lui et Mario en train de récupérer des astres parce que il aime ça, il est copain avec Mario. Et n'empêche que. Excusez-moi, mais la peinture est trop belle. Oui, bon. Voilà. Et franchement, le tag, la peinture, c'est chouette, hein. Moi je l'aime beaucoup. J'en ferais bien un fond d'écran, mais j'en ai un mieux. Un beaucoup mieux. Créé par un super artiste. Qui a fait d'ailleurs le thème complet du stream Iba Sound Studio. C'est Imagiro. On va récupérer ça. On peut pas plonger comme on veut. Ça me rassure dans un sens parce que j'aime pas trop les trucs aquatiques du... Enfin, en tout cas, la plongée. C'est quoi ça? Je me rapproche sans le prendre. C'est une pièce d'Enver. C'est comme les pièces Yoshi. Ok, ça a l'air d'être lié à quelque chose. On verra après. En attendant, on est occupé là. Ah, c'est un truc de la rapidité. Là, il y a le nez de Bowser. On va remonter sur le bateau. Les tags de Bowser Jr. Boomerang Clutch Left sont tellement beaux que l'idée de le faire en tatouage m'est venue. C'est pas con! Et c'est une super idée en vrai parce qu'ils sont super chouettes, hein. Alors se faire tatouer Mario Bowser comme ça, non pas forcément, mais avec cette patte graphique là, en vrai t'as raison, hein. Et ouais, franchement ouais. Mais même ne serait-ce que l'astre félin là, un peu en mode tag façon Inca, enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète. C'est pas con, c'est vraiment pas con. Bon, et après, perso, j'ai un peu trop de projets de tatouage sous la main là. Il va falloir faire des choix, des sacrifices. Et trouver le temps et l'argent, parce que quand même, un tatouage, ça coûte cher. Il est où le Nate Bowser? Ah, c'est devant là. Bien sûr, les dons Iba Sound Studio ne servent pas à faire les tatouages. Je le précise au cas où, hein, bien sûr. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui est à l'assaut reste à l'assaut. Évidemment. Après, oui, bien sûr, on profite un peu du matériel pour soi-même. Genre le micro, mais sinon, c'est du matériel à soi. Monte. Monte. Attends. Où est le dernier? Ça fera un truc moche, un autre truc moche. Oh, c'est méchant ça. Ça, non, c'est pas dans la bienveillance. C'est pas dans les valeurs du stream, ça, Nostralix. C'est pas bien. Où est le dernier fragment? Où est le dernier fragment? Où est-ce que c'est? Là,
Attendez une minute, je viens de cliquer un truc. Tout à l'heure, Bowser s'activait toutes les 2 minutes. J'exagère un peu, hein, mais... Et là, il est stable, fixe. C'est-à-dire que c'est à nous d'activer Bowser. Parce que c'est pas tout ça, mais ça, là, moi, j'ai envie que ça se casse, quoi. Réflexion intéressante. Il manque le dernier fragment. Le dernier fragment, il doit se finir plus tard. C'est le dernier. Ah bah oui. Voilà, tout simplement. J'ai mon petit PC portable. Donc là, ici, il y a mon PC principal. Là, portable aussi, mais qui n'est fixe. Oh mon dieu. Qui me sert à diffuser. Et à faire tout ce que je fais d'habitude, à streamer, à plein de choses. Là en face, là, il y a la télé avec la console. Et là, ici, là, il y a le tout petit PC portable qui me sert à travailler dans les transports notamment. Et à faire les présentations à saut quand il y a besoin de rencontrer des... politiques, les collectivités, etc. Et là, qui me sert juste à avoir mon retour direct sur Twitch, le chat et les alertes. Il me sert juste à ça. Là. Et il vient de faire un bruit assez bizarre. Il a fait un bruit de grésillement en mode le disque dur. Bon, après, il commence à faire. Attendez, c'est lequel qui est plus vieux? Non, il est plus vieux que celui-là. Celui-là, il a 5 ans. Ouais, et lui, il doit en avoir 7. Non, 6. Parce qu'il est, il était déjà sous Windows 10. Il y a des choses à ma droite. Là-bas. Il y a 2 choses. Ah ouais, il peut nous téléporter partout en fait. Je pense que c'était juste sur l'île, mais en fait non. Il y a un truc tout au bout du monde. Il y a un truc tout au bout du monde. Bref. On va retourner là. Denver, t'es dans les parages? Ouais. Avant de prendre cette monnaie là, voilà. Il y a le petit nuage là. Ça va être une course. Ça va être horrible. J'en étais sûr. Faut tuer toutes les coccinelles, c'est ça. J'en ai raté 4. 7. J'en ai raté 7. Et ouais, c'est ça, il faut tout tuer. C'est un échec. Bon, vous me direz, vous êtes habitué. On y retourne. Donc en fait, il faut pas se speeder. On va prendre le temps qu'il faut. Comme... qui c'est qui fait ça? Enfin, c'est le temps qui court, mais... Prendre le temps qu'il faut... Raté! J'ai fait nawak. Eh bé. Eh bé. Quand même. Non. J'y étais là. En fait, il fait comme les baleines, au lieu de recracher le dos, il recrache Mario. Mmh.
Non, c'est pas bon. Demi-tour. Demi-tour. C'est bon. Étoile. Ok. Bon. Voilà. C'est passé, crème. Ah, j'ai raté le dernier cercle. C'est point grave. Alors maintenant, Denver. Et là, ça va être la course à la pièce Denver. Oh bordel, il c'est là-bas. J'espère qu'il y en a que 5, 10. Allez. Oui. Plus loin encore. Si je peux tourner direct à droite, attention. Allez. C'est bon. Je suis allé un peu loin. Encore. Bon alors attends, tant que je suis dessus, ça va me faire grimper ça. Non, ça va pas me faire grimper. Demi-tour. C'est là-bas. Denver. Allez. Voilà. Et là, c'est Bowser qui se réveille. Enfin, Bowser se réveille. Il va falloir faire demi-tour très vite. Ou alors me téléporter. Ombre de fureur sur le pont. On peut le passer aussi. Ça aussi on passe. 5 soleils. Mais par contre j'ai pas. Et Luigi, mais ça va, vous voulez pas mettre tous les astres là maintenant? Excusez-moi, mais. Non. Allez, cours. Et ouais, mais du coup maintenant que j'ai pris l'astre. Il va se barrer. Non. Oui, peut-être. Attendez. Et ouais, il se barre. Et il peut... Eh, parce que du coup... Quoique, il y a lui qui est encore là. Hein. Prends un peu lui. J'en ai pas besoin, mais c'est pas grave. Touché.
Xone terminé. Mais enfin Xone terminé, mais entre guillemets parce que bah déjà toi, mais sur encore. Mais faites plein d'items. Mais surtout, il y avait une histoire de plateforme avec 5 soleils, enfin 5 astres, ici, je crois que c'était là. Mais ça popait que quand Bowser était en mode pas content. Et d'ailleurs, il en est où là? Je vois pas. Il est calme. Il est calme. On va aller là. Et c'est... Voilà. C'est... Derrière moi... Ah ben voilà, il y a un toad là. Est-ce que tu me donnes un astre? Apparemment. Là-bas, c'est la zone de la mort qui tue. Réfléchis, hein. Réfléchis. Encore aller plus haut. Alors, en fait, on va mettre là, tout simplement. Qui devrait pas tarder à revenir. Du coup, est-ce que je reviendrai pas sur le bateau? Attendez, c'est. Je voudrais me mettre là-bas. Il y a un truc là-haut ici. Allez, prends ça. Chat, je voudrais être un chat. Ah, il y a besoin. Voilà, et maintenant que je suis là, c'est en bas ici, juste là. Ça me dit qu'il y a quelque chose. Derrière moi. Ici là? Ici. Excusez-moi, mais je comprends pas. Je suis dessus là. Une heure, viens m'aider parce que là. Oh bordel, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Oh mon dieu, je peux en avoir qu'un seul à la fois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là, je plonge. Ah, flûte. D'accord. Et donc, cet îlot, il va pop un peu de manière random, je suppose, ou sur la zone où je suis. Ça va être ça. Ok, et les pointillés là, c'est la falaise. Donc. Ah non, on sait où il pop, d'accord. Donc après, il va pop ici. Donc, prochaine fois que Bowser arrive, faudra que j'aille là-bas. D'accord. Ok. Ah non, il. Ah non, il pop à différents endroits. Alors, j'ai un astre, donc 1, 2, 3. Et. Il manquera le 5, 4. Et là, ça sera ici. C'est 4, ok. Donc j'ai les emplacements. D'accord. Bien. Ça, ça a l'air d'être bon. Allons là-bas. Ici. C'est sur la route du patin. Il y a un astre sur la route du patin. Ne tombe pas Mario.
attention là quand même. Il est en dessous? Attendez. Est-ce que je vais pouvoir escalader bien à un moment donné? On est retourné en chat? Il va être en dessous, c'est ça? Griffe canapé, non? Oh bordel, je crois savoir. Où suis-je? Hop, stop, stop. Alors déjà, il y a un trou là. Il y a un trou là, juste après les cercles, enfin le cylindre. Mais il y a quelque chose là. Non? Si, il y a une plateforme ici. Alors comment on y accède? Je réfléchis. On a juste à tomber là et à faire ça. D'accord. Alors on se re-TP. Le patin, je pense. C'est quelque part par là. Bowser, j'ai pas le temps. Non, c'était là-haut. Oh. C'est pas ça. Pas ça. Ah peut-être, attendez. C'était l'autre. Ah, c'était l'autre. Oh, il y a un Toad en plus. Ah, je l'ai raté. Je l'ai complètement raté. C'est pas grave. C'est pas grave, mais Bowser. Hop là, stop. Bowser vraiment. Bon, l'îlot de fortune. On a dit qu'il était ici. Enfin, ici quelque part, parce que je ne vois pas pour le moment. Il est où? Where is Oil? Je vais tomber comme un nul. Non, ça va. Je vais prendre celui-là. Voilà. On passe. Et plouf. Ou pas. On plouf un peu quand même. Et je voulais récupérer le Toad qui était après du coup. Excusez-moi, vous avez pas un petit bonus? Purée, c'est ça qui me fait. Mais j'ai pas le droit à l'erreur. 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 Attendez, je vois plus où est la plate. C'est celle-là? En fait, j'ai même pas eu besoin de ça, c'est direct gratuit. Bon courage, Nostralix, pourtant Noral. On verra si ça s'est bien passé. En même temps, le sujet est passionnant. Bonne continuation. Cordialement, bisous, Nostralix. Alors, ça, c'est bon. Mais il y avait encore un truc quelque part, je crois, après. Oui. Et non. Oui. Non plus. Allez, grimpe. Non, ça fait plouf. Ah, c'est juste une des bonus. Bon, on sait qu'il y a un truc caché là, mais... Alors par contre, Denver, t'aurais pu te mettre un peu plus proche de moi. Et Denver est resté Denver chat. Hein. Regarde-moi cette tronche. Enfin, tu me diras, j'aimerais bien l'avoir en plus. Mais la plante piranha... La plante piranha fleur... chat, pardon. Elle est magnifique. C'est ma préférée. Je voulais juste aller là, qu'on se calme. Là. Et non, je voulais pas aller là en fait. Non, non, je voulais aller là. Je peux pas me TP. Maintenant, oui.
Clap de fleurs. Merci. Oh, j'ai encore besoin de Denver en fait. Allez, on trace. Faut grimper. Hop. Je devrais peut-être prendre le chat. C'est pas une chaîne ? Non. Mais il est trop loin. Hop. Allez, trace. Non, ça c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Je me suis trop éloigné, c'était là-bas. Hein. Non, c'était là. Ah, là. Ici, ouais, c'est là-bas. Normalement, celui-là, ça devrait bien se passer. Ouais, par contre, si je me prends l'île en plein milieu. Allez, grimpe! Non! C'est raté. Purée. Ouais, c'est pas grave, on va recommencer. Viens là, toi. On se met en face. Un petit peu quand même. Ça c'est pas cool l'île. Ok. Excellent. Normalement ça passe. Yes. Voilà. Il en reste pas énormément là maintenant. Ah mais il y a le truc là. Ouais. Par contre il y a une clochette là. D'accord. Je suis pas en face. C'est bon. Elle déchappe bien sûr. Allez, vas-y Todd. J'aimerais bien voir la clochette là. Parce que là, en bonus, il me reste... Vous voyez pas parce qu'il y a la caméra dessus, mais il reste une clochette. 5 champignons, un boomerang, 5 fleurs, 5 feuilles et 2 clochettes du mannequiné. Non! Mais quel imbécile heureux! J'ai appuyé sur quoi? J'ai un écran blanc. On va prendre ça. J'ai raté la feuille. Non, c'est... La fleur en plus, c'est pas une feuille, c'est une fleur. Je vais remourir. Voilà, c'est bon. On sort de là. Alerte, alerte. Je vais prendre une feuille, tiens. On prend un peu. Et maintenant, volons-nous. Ah ouais, il y a un îlot. Il y a un îlot et Stitch, lol. Oh oh oh, hey, blague, humour. J'ai pas été assez rapide. Purée.
Il y a un astre ici. Oh là là. Attends, il y a un astre. Là-bas. Oh la pune. Allez, ne mange pas les lapins, j'aime pas ça. Ah, il va m'emmener partout sur le lac. Gauche, droite. Droite. Oh non, il me troll. J'aurais voulu prendre les boosts que j'ai ratés. Alors, purée, il est où? Il repart. Là, il part sur la droite. Je vais essayer de skipper, vous essayez de nous embêter. Allez, yes. Nickel. Nickel, nickel. Il y a deux îlots de fortune là-haut qui du coup m'embêtent. Ben, on va aller là. Hein. Et c'est quoi qu'il faut faire? Non, faut juste aller là. Je crois que j'ai fait un tag que j'ai raté tout à l'heure. Ici. Non, on peut juste lui dire de redessiner dessus. Ah ouais. Bah écoute, je prends, parce que j'en avais plus tant que ça. C'est vraiment sur le mont Magmiaou quoi. Et... On va grimper. Boomerang. On va te droite. Toison du mur. Alors qu'on peut jouer la sécurité. Oula, j'ai failli tomber dans l'interstice. Il y a des chenilles. Non, il n'y a pas de chenilles. Par contre, il y a autre chose. Il y a du feu. Là, il y a du feu. Ah mais les emplacements des anciens astres sont devenus des bonus. Je prends et j'aimerais soit une clochette normale, soit un boomerang, soit une flamme. Bon, bah, j'en ai pas besoin de ça. Ça fait perdre.
Il y a l'île. Ah, il n'y a plus l'île. Mais où est l'astre? Derrière moi? Là, attendez. Derrière moi. Il y a un truc là. Voilà, tout simplement. J'espère que ça... Il fait pas encore nuit. C'est bon. Par contre, ah oui, je prends. Par contre... J'ai besoin d'un îlot de fortune et j'avais raté celui-là. Donc on va revenir sur lui. En espérant être un peu plus rapide cette fois. Bowser. Ben non, c'est juste moi qui suis maladroit. Mais... Voilà. Et je me plante de touche. Ça passe. Voilà, là je. Et voilà. Mais c'est où? Attendez, attendez, attendez. Où est Lilo? Où est. Là il est. Et j'y vais comment là? Non! Non! Non, recommencer. Oh là là. On va remonter, on va prendre quelques repères parce que ça me convient pas. Oh purée, il y avait juste ça à prendre. C'était juste ça, tu te mets là, tu... Oh pute. Bon, d'accord, on le saura. On le saura. Il y a un astre là, du coup il me faut Denver. Et Denver, on va l'attraper par là. Denver, où es-tu? Ah, t'es là. Une course nuage avec l'étoile, la fameuse. Oh là là, ça va être bon. J'ai pas sauté. Oui, c'est bon. Oh l'horreur. C'est bon normalement. Ok. J'ai cru que j'en avais raté un. Ça va. Ah
Et maintenant... il me reste bah, toujours ces fichus îlots. 1, 2, 3. Et deux étoiles, deux astres. Faut se téléporter là? Non, il faut aller là. Ça klaxonne dans ma vie. Ah mais oui, il y a Madame Chat. Madame Chat, il lui manque un chat. Qui est là? Non, c'est pas lui. Mais Madame Chat, il lui manque un chat, oui. Attendez. Il y en avait un là, il y en avait un là, il y en avait un là et un là. 4. Où est le cinquième? Où peut être le cinquième? Excusez-moi, mais où est le cinquième chat? Dernier chat. J'essaye de me souvenir de ce qui a été fait juste avant. Mais alors là. Non, pardon chat, pardon, excuse-moi. Je vais pas t'emmener avec moi, c'est pas volontaire. Salut Denver. Oh putain, le retour. Attendez, parce que vu qu'il est de retour. Attends, un peu d'avance. Si j'y arrive. C'est fou les boules de neige. Sérieusement? Oh, je voulais prendre de l'avance, de nouveau je prends du retard. Voilà. Là on grimpe, on grimpe, on grimpe. Je sais pas où je suis. C'est pas tout ça que je voulais, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est déjà préférable. Allez, normalement ça passe. Voilà. Et là, j'ai dit qu'il me fallait ça. Ne pars pas maintenant, Bowser, s'il te plaît. Difficile ça là. On peut passer, pas de problème. On va se mettre au sol. Genre par là. Et TP. On revient là. Là c'est le chat. Il me manque un chat, mais alors je sais pas où il est. Et on va aller là. Dans la zone. Ah, bah Denver, merci. Ça va être bien. Ah non, ça va. Je pensais que ça allait m'amener à la plateforme nulle.
va m'amener où? Au tuyau. On va faire là. Yes, go, trace. Derrière. Ouf. C'est bon, c'est directement là, ça se passe bien. On est à combien là du coup? Parce que j'ai pas... 97, il m'en manque 3. Bah les deux îlots de la fortune là et Madame Chat. Donc là il me faut que je cherche le chat. Mais where is the cat? Madame Chat. Madame Chat, c'est... Je peux pas aller de là-bas à ici. C'est forcément dans cette zone là. Oh! Ça c'est gratuit ça. Et Bowser il vient de partir, il est déjà sorti de l'eau. S'il te plaît. Merci Junior. Une feuille, j'en ai pas encore besoin mais... Là il me faut une cloche de boomerang. Un chat, où est le chat? Ce serait pas... Je vois pas. Non, c'est pas là. Parce que là, il y avait déjà un chat. Ici, là. Je m'étonnerais qu'il y en ait un deuxième. Donc c'est pas là. Là en face, pareil. Yo. Là pareil. Est-ce que j'ai pas trop regardé sur les côtés? Il n'y a pas une grotte, un truc comme ça. Il y a une petite plateforme là. Non. Non plus. Ici. Retour de Bowser, génial, on est content. On a... Là on est déjà passé en dessous. Et là, alors bah, Bowser, du coup, Ilo. Ilo, là. Et il faut monter. Je sais pas si ça fait l'autre côté. C'est pas un coup. Du moins, je passe. C'est où je vois pas où je suis. Ok, c'est bon. Gauche, non, c'est pas gauche, c'est droite. J'ai raté. Monte là. Il m'a marqué. Droite. Droite. Monte, 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 monte. Voilà. Droite. Monte encore. C'est pas ça. C'était pas ça. Purée. Ah si, c'est bon. Alors, Ilo. Mais il est là-bas, Lilo. Il est loin. Il est au bout du machin le... En gros... Bowser qui sort de l'eau. Oh, toutes les pièces. C'est joli ça. Très jolie danse des pièces. Donc Lilo il est par là. Donc en gros c'est, j'ai juste à rester là et à attendre. Mais je cherche Madame Chat. Enfin, pas Madame Chat, le chat tout court en fait. T'as shooté dans le chat que tu cherchais. Tu lis pas le chat. Oui pardon, j'étais concentré. J'ai shooté dans le chat que je cherchais. Avec les autres. C'est un chat noir. À quel moment j'ai shooté dans un chat?
tuyau. Il y a... Ouais, je me doute. Il y a 5 minutes et j'étais en train. Ouais, Bowser. Bowser, il me laisse pas le temps. Pas ça. Purée, c'est pas ça. Alors attends. Il se jette le bateau, on l'a vu. Ok, d'accord. J'ai. L'eurodate, enfin j'ai pas activé l'heure des messages sur cette ordi. Attends, j'ai shooté dans le chat, dans le miaou de Madame Chat. Pour moi, c'est quelque part par là. J'ai pas fait de plateforme. Pas fait de plateforme, mais j'ai peut-être fait des trucs en bas. Une étoile. Quoi, une étoile? Elle sert à quoi, cette étoile? Là, de toute façon, il me manque Madame Chat et un îlot qui est hyper mal placé. Oh le bordel, que ça va être ça. J'ai tapé dedans sans le voir. Faut être aveugle quand même pour taper dedans sans le voir. Je retournerai bien après au départ aussi. Je viens de penser à un truc. Vu que j'ai ramené tous les toads, j'aimerais bien voir. Ce que Toadette dit. J'ai shooté dedans. Peut-être que si je sors. Maintenant je suis déjà sorti de la zone. Il y a un chat, il faut qu'il soit porté. On peut pas aller dans les tuyaux avec. On peut pas aller dans l'eau avec. Encore moins dans la lave, forcément. Donc c'est, il doit pas être bien loin. Thank you.
Je vois vraiment pas pourquoi il serait là en fait. Pourquoi est-ce qu'il serait là? Ah, attendez. Avec le Toad. Est-ce qu'il serait pas avec le Toad? Il en est où Bowser? Parce que tant qu'à faire. Il va pas tarder. Bowser va pas tarder, on va faire attention. Voilà, ce que je voulais éviter, je l'ai fait. Il n'y avait pas besoin d'appuyer, j'ai appuyé. Il n'y avait pas besoin. Hein. Je m'en suis rendu compte au moment où j'ai sauté. Bon. Bref, le chat, il est pas là. Quoi. Bowser, t'en es où? Ouais, il arrive. Bowser arrive. Bowser arrive. On va aller par là. Le chat il faut des crins, l'eau chaude bien sûr. Bowser arrive. Je me doute que ça va être une histoire avec ça. Ici, à partir de là. Et là on attend. Tout en réfléchissant où pourrait être fichu chat. Allez, apparaît. On peut refaire ça. C'est pas... wait a minute. Wait. Ah, elle est là. Et là... bon, déjà, on fabrique. Allez, dernière as de l'îlot de fortune, c'est fait. Il y a encore pas mal de vie, Bowser. Bon, il va falloir le recombattre de toute façon, mais... Il y a de la vie. J'aimerais bien avoir le dernier chat. Avant de combattre Bowser. Pas où il est, hein. J'ai shooté dedans. Oui, il est sur la cloche. Attends. Où est-ce qu'il est? On a un peu de hauteur, on est censé y voir un minimum. Non, ça c'est une mouette. Je commence à halluciner quoi. Il y a un truc, non c'est pas ça. Ça c'est le lapin. Ponton.
Non. Il y avait un ponton là-bas aussi. Il est au bout du ponton, c'est ça? Bordel, je crois que je le vois. Ah oui, en effet, j'ai dû shooter dedans, mais bien comme il faut. Purée. Alors non, à chaque fois je me trompe de bouton. Regarde, je suis mis à où? Allez, go. Merci pour le type, hein, du coup. Bonjour, Madame Chat. Il a traversé ses frères et soeurs. Ah, ça fait un gagne. Bon. Félicitations, vous avez rassemblé tous les astres félins. Un message émanant de la giga cloche se met à résonner. Vous êtes prêts? Allez-y, débarrassez la bête de sa fureur grâce à la puissance des astres félins. Pas tout de suite. Je tiens à voir d'abord Todd. Pour... parce que... Ok, c'est sec. Et ça va plus vite sec. Sous-entendu, aller sur... Bah vous avez peur, je peux pas vous parler maintenant. Non, il m'a touché, oh. Giga cloche qui me dit d'aller ici. Mais est-ce qu'il faut que je sois... Attends. On a un peu de temps. Est-ce que j'ai le droit de... Attends. La cloche elle est là. Oui, donc j'ai besoin d'être Mais par contre, il y a un niveau de fortune qui a pop. Il sert juste à me dire il y a des pièces dessus, quoi. D'accord. Hein. Allez, ultime combat. En combien de temps on va le réussir? Ça, c'est une bonne question. Il a pas la même couleur de crinière, hein. Raté. Je vois pas grand chose. Je vais peut-être prendre ça de suite, il est là. Il saute. Cours. Saute. Cours. Cours. Saute. Pour. Non, je t'en... Saute. Mon dieu, la vie est... Je lui fais que ça. Wow, wow, wow. En boîte. Ouais, mais pas sur moi, par contre. Ok. Pour. 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 Il a eu pris un peu plus cher. Giga cloche. La plus proche, c'est 5. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Un peu plus de vitesse, mais c'est bon. Je le prends, je le jette, bien sûr. Ouais. Abri. Il a bloqué. Où est-ce qu'il est? Où tu vas sauter? Où tu vas sauter? Où tu ne vas pas sauter, plutôt. Raté. Tape. Par exemple. Pour. Ok, j'ai l'impression que c'est bien un tiers.
J'ai pas de gym, mais... Elle revient la flotte ou quoi? Elle est pas revenue. Bordel, j'espère que j'ai pas la giga gauche pour la... C'est pas forcément la giga pas. Pour... Allez, moitié. Je suis tout petit. Hein. Je suis tout petit. Il reste une cloche quelque part, je crois. Là-bas. Non. Il n'y a plus de... Attends. Il n'y a plus de... Oh, merde. Dans la merde. Dans la merde. Il y a beaucoup. Ça, là, ça pardonne pas. Il est où? Ça fonctionne pas. C'était très cylindrique, c'était mal fait ça. Mais ouais, ça pardonne pas. Là, du coup, j'ai pris la première et il me reste que 2 giga cloches. Comment faire pour tenir bon? Allez, cours. Un peu moins de 20%. Ah non, c'est pas ça. Garde-le. Touché. Et je me suis fait toucher aussi. Hein. Pas bon. Pas bon, pas bon. Voilà. Et tous les... tous les épiques blocs ni vous arrêtez avec moi. Touché, ok. Bien sûr. Ouais, non là je l'ai pas là. Allez, on s'en va. Alors là par contre. Excusez-moi les gars. Il est où? Normalement là c'est possible. Voilà, on recule. On recommence. On fonce. Ok. On recule. Y'a pas un bout de clic encore. On va rentrer. C'est une cloche là, on va rester par là. Oh, il est passé sur moi. Il est où? Touché. Allez. Encore une ou deux fois. Encore une fois. On enchaîne. Allez. Ok. Ça, c'est fait. Je suppose. On peut pas le passer ça. Si je peux le passer. Ok, go. On l'a déjà vu de toute façon juste avant. Allez Denver. Je suis pire ou... Non ça. Cloche là, yes. Ah. Oh, c'est calme. Non.
méchant. Par contre, si je crève, je recommence tout. J'ai l'impression qu'il la balance plus que la fois précédente. Ou alors c'est moi. On peut plonger. Oui. Ne me demandez pas plonger, j'ai pas la chance. J'ai envie de bonus. Là. On va faire le plein de bonus avant. Je prends. Il est où? Excusez-moi monsieur, je voudrais juste vos clochettes. Et drink. Merci pour le follow Dorian, c'est gentil. Très gentil. Oh là là. J'ai pas réussi à en faire. Ça va faire un tour complet. Et pour l'instant, pas de gratuité. Pas de. Faire main d'enfance. Oh, il est au fond. J'ai beau à mettre le joystick le plus en avant possible pour foncer. Et... je suis pas assez rapide. Oui, et d'un. Et d'une. C'est grand encore, j'ai le choix. Voilà maintenant. Boomerang, on s'en fout. Alors, faut pas de crever. Eh mais c'est violent. Non, non, c'est plus dur que la première fois. Hein. Allez, clochette, bien fait de 2. Je sais plus si c'est 3 ou 5 fois qu'il faut toucher. Raté, j'y étais là. Ah, il est parti. 1, 2, touche. Oh, je me suis. 1, 2, raté. 3, là j'ai besoin de bonus. Vite. Clochette. Yes. C'est pas fini. Ah. Je sais pas. Bon, j'allais dire je sais pas comment je vais esquiver, mais en fait je sais pas du tout. Ponce, clochette. Oui. Oh yes. Pouh. Juste pour le plaisir, on revoit la transformation de Denver en chat. Avec la musique angélique. Juste pour le plaisir. Soleil chat. Waouh. Il est mal fait en plus. Il y a tout qui est bien fait dans le jeu sauf le soleil. Le soleil chat il est pas ouf. Attention au sol. Voilà. Il s'est quand même mis la tête dans les poils de Denver. Hein. Yes. Et le petit dit, oh papa t'es revenu, et le père il fait oh non je vais attaquer Mario. Et Mario qui fait je suis fier, je t'ai battu, tu pourrais me remercier et tout. Bon. Vas-y, mets tes dents. Oh pardon, je suis isolé, mais en fait non. Je troll hein, mais ça on l'a vu déjà tout à l'heure.
côté couleur de chat. Bon ben re-générique. Est-ce que ça va changer quelque chose vu que pareil ça on l'a vu tout à l'heure. C'est une bonne question. Très bonne question. Je pense pas. On réadmire les magnifiques peintures de Bowser Jr. Magnifique. Magnifique. Elles sont vraiment stylées, vraiment. Ça a l'air enfantin, bah c'est enfantin, attends, mais il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. C'est quand même plus intéressant que peindre des traits en jaune et crier dessus, hein. Ceux qui auront la référence, bien sûr. Bravo. Ceux qui l'ont pas, venez sur Discord. Vous l'aurez. Bon, le temps du générique, du coup. Merci pour ceux qui ont suivi. Ben, c'est la fin totale de l'aventure Bowser Fury. Prochain stream, ce soir. Ce mardi soir, 21h. À plusieurs sur Codenames directement sur navigateur et on sera sur Discord. Il reste encore un peu de place si des gens parmi vous avec un bon micro quand même voulez nous rejoindre. Il reste je crois qu'il reste une place même ou deux, c'est plus. Donc rejoignez le Discord, inscrivez-vous pour ce soir parce que les mardis soirs c'est stream en communauté. Ça peut être du Scribble, du Carpiphone, Among Us, mais là ce soir on tente du Codenames, ce sera nouveau pour nous, même si certains connaissent déjà le jeu de société. Ouais, 100 astres sur 100, magnifique, magnifique Bowser chat, avec tous les chats derrière. La sauvegarde, c'est ce que je voulais. Ah gros gros, je veux juste, vite fait, avant de partir et de vous rejoindre après ce soir, je veux vérifier ces histoires de Toad, ça me titille, même si le chargement est un peu long. Voilà, ça va être en face. Et voilà. C'est tout? Vous dites rien de plus? Ah, je suis déçu. Bon. Eh bien, ce fut passionnant. Il y a eu Mario 3D World il y a 15 jours et la semaine dernière qu'on a fait en coop avec Imagiro. Il y a les VOD qui arrivent dans pas longtemps sur YouTube ainsi que les Best Of. Bah, là du coup Bowser Fury terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai bien kiffé. Franchement très bonne aventure. Très intéressante même si ça manque un peu d'histoire. Comme le font Toad. Au revoir. Et je vous retrouve ce soir. Et je vous embrasse très cordialement, comme d'habitude vous connaissez. Mais juste avant un dernier mot, je vois que Nino est en live, je vais vous envoyer chez Nino. Pour changer un peu. Cordialement. Bisous.